Coucou à tous, juste avant de commencer cette vidéo, c'était juste pour vous dire que dans mon ancienne vidéo, j'avais complètement oublié de vous mettre le lien pour pouvoir profiter de mon code promo, du coup je vous mets dans cette barre d'infos là. Et maintenant, on peut enfin passer à la transformation de ma piscine tubulaire. Donc c'est une piscine que j'avais achetée l'année dernière sur Cdiscount, 200 ou 250 euros. Elle fait 3,66 m de diamètre et 1,20 m d'hauteur, donc c'est-à-dire de profondeur d'eau. Elle est vraiment super bien, on n'a pas eu de problème avec. Quand on a pris la maison, la dalle de béton était déjà faite, donc du coup on n'a rien eu à faire de particulier, juste à poser notre bâche, faire attention qu'il n'y ait pas de cailloux en dessous, et on l'a posée comme ça. Ensuite on l'a remplie, on l'a vidée, je vous avais montré ça sur Instagram, et là je l'ai nettoyée et re-remplie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'habiller en fait avec simplement de la canisse en PVC. Vraiment j'ai cherché de partout des idées pour transformer en fait sa piscine tubulaire, et c'était que des choses vraiment trop chères, comme par exemple mettre une espèce de terrasse au-dessus et tout, c'était trop compliqué. Du coup j'ai eu l'idée de mettre de la canisse, et du coup de la canisse en PVC pour que ça rende un effet beaucoup plus beau que la canisse en bois. Je n'ai pas réussi à trouver de la canisse à 1,20 m, il n'y en avait que sur internet, mais avec les frais de port et tout ça revenait trop cher. Et sinon en magasin c'était soit 1 m, soit 1,50 m. Donc j'ai fait le choix d'en prendre à 1,50 m et de les couper moi-même. Donc j'ai réfléchi longtemps à comment faire pour couper, et le plus simple en fait c'était de couper avec une scie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit repère sur ma canisse et j'ai coupé. Comme vous le voyez, c'est pas forcément très droit, mais ça va être le côté qui sera sur le sol, donc ça ne posera pas problème. Donc c'est une simple scie que j'avais acheté, il me semble, chez Action. Ces canisses là je les ai achetées chez Leclerc pour 17 euros chaque canisse, et du coup elles font 3 mètres de longueur. J'en ai pris 3, il m'en aurait fallu 4, mais ils en ont plus, mais ça va, du coup c'est derrière, on voit pas trop, et dès que j'en retrouverai, du coup je mettrai la quatrième canisse, mais c'est pas très grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié la bâche et je l'ai calée comme ça sur les petites bandes en plastique blanche. Je laisse bien la bâche en dessous parce que c'est important, de toute façon il y a l'eau, donc j'aurais pas pu l'enlever, mais voilà, je préfère pas couper, je préfère en avoir si jamais, je ne sais pas pourquoi, moi avec moi il y a beaucoup de si jamais, donc du coup j'ai préféré replier la bâche, et du coup je vais poser ma canisse comme ça. Et enfin, pour la faire tenir, je vais juste prendre du fil de fer. Donc là, il était vert foncé, c'est ce qu'il me restait. Si vous voulez vraiment faire des belles finitions, prenez la même couleur que votre canisse. Mais franchement, ça se voit pas énormément, donc moi, ça m'a pas gêné. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais passer le fil de fer entre des brins de canisse et je vais accrocher sur les tubes en fait de ma piscine tubulaire. Donc c'est aussi simple que ça. J'en ai mis un en haut, un en bas, et j'en ai mis plusieurs pour faire le raccordement entre les deux canisses. Ensuite, j'ai pris ces petites dalles en bois que j'ai trouvées pareil chez Leclerc pour 3 euros et je les ai bombées en blanc parce qu'en fait je vais faire le sol de ma piscine tout en blanc et il me fallait absolument ces petites dalles là, mais je ne les trouvais pas en blanche. Du coup j'ai fait le choix de les peindre et ensuite j'ai mis un vernis dessus pour éviter que la peinture se transfère sur nos pieds quand on va marcher dessus et surtout qu'elle parte. Donc là j'ai passé la débroussailleuse pour enlever un peu les mauvaises herbes qui passent, du coup, parce qu'en fait c'est une dalle en béton et en fait ils ont mis des espèces de tasseaux de bois pour délimiter, sauf que du coup les mauvaises herbes passent entre les tasseaux de bois et la dalle de béton. Donc j'ai bien débroussaillé, j'ai brossé pour enlever du coup toutes les feuilles que j'avais coupées. Yeah.
Et là, je vais déposer en fait ce papier bâche. Je sais pas trop comment ça s'appelle. À la base, on l'utilise pour faire le paillage des potagers. Et nous, on l'avait acheté pour ça. Et il m'en restait des chutes. Du coup, je l'ai mis. Ça coûte vraiment pas cher. Et ce qui est bien, c'est que ça laisse passer l'eau. Contrairement à la bâche, et nous on a eu ce problème là, c'est que quand il pleut, bah du coup l'eau reste stagnante et déjà c'est pas bon parce que voilà, c'est une prolifération de bactéries quand même, mais surtout nous dans le sud, bah on a des moustiques tigres et avoir de l'eau stagnante c'est juste pas possible. Donc avec ce genre de bâche là pour le potager, c'est vraiment bien parce que l'eau du coup va rentrer et s'infiltrer un peu de partout pour pouvoir partir. Et donc vous trouvez ça de partout, moi je l'avais pris chez Action, mais vous pouvez toujours trouver ça en jardinerie vu que c'est pour les potagers, ou même en grande surface vu qu'on est encore dans la période de plein air. Ça coûte vraiment rien, il me semble que le rouleau coûte 1,95€ chez Action, donc c'est vraiment pas cher du tout. Ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai déroulé de partout et j'ai découpé avec mon ciseau pour faire le bout arrondi. Ensuite, je vais poser mon échelle pour voir où est-ce que je vais poser ma dalle parce qu'en fait, je voulais mettre absolument l'échelle sur une dalle parce que je vais mettre des galets et si je la pose sur les galets, ça ne va pas être stable. Donc une fois que je sais où je vais mettre ma dalle, je vais disposer du coup mes galets de partout. Donc j'avais acheté 2 sachets de galets chez Leroy Merlin, mais je les avais payés quand même assez cher. Il me semble 17€ du coup le sachet de 25 kg et j'ai trouvé exactement les mêmes chez Leclerc pour 9,95€, donc vraiment moins cher. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'en ai eu pour 7 ou 8 sacs quand même. On se rend pas compte, hein, on a l'impression que c'est énorme 25 kg. Mais finalement, une fois qu'on les a mis de partout, bah, il en faut, il en faut, il en faut. Donc il me semble que je suis allée au magasin 2 ou 3 fois pour aller en récupérer. Donc c'est pour ça que ça valait largement le coup de les prendre à Leclerc à 9,95€ plutôt que de les payer à 16,95€. J'ai mis 2 dalles sur ce côté-là pour pouvoir me mettre parce que forcément quand on marche sur des galets c'est pas agréable et des fois quand j'ai besoin d'aller prendre l'épuisette pour nettoyer la piscine et tout, il faut vraiment que je sois autour, donc j'ai mis ces 2 dalles-là pour pouvoir me caler. J'ai oublié de vous dire, quand j'ai posé la canisse, ce que j'ai fait pour le filtre, c'est qu'en fait j'ai fait passer le tuyau tout en bas et j'ai posé la canisse par-dessus, mais du coup je ne l'ai pas fixée, donc j'ai possibilité de l'enlever et pouvoir enlever le tuyau ou quoi que ce soit, mais du coup le côté où il y a la canisse au niveau du tuyau pour le filtre, du coup c'est un peu plus épais. Ensuite j'ai pris ces bains de soleil chez Brico Dépôt. Vraiment, je les trouvais super beaux. À la base je les avais vus chez Leroy Merlin à 129€ pièce. Sauf que quand j'ai voulu commander, il n'y en avait plus. Donc du coup, je me suis tournée vers ceux-là qui étaient à 109€. Donc 20€ de moins. Donc j'ai gagné 40€ vu que j'en ai pris 2. Ils sont super simples à monter. En fait, vous avez juste les pieds. À la base, il y a des roulettes à l'avant. Sauf que sur l'un, bah, il manquait juste une pièce pour pouvoir mettre les roulettes. Donc je ne les ai pas mises sur les 2. Et je pense que j'irai me procurer la pièce manquante. Et un jour, je les mettrai. Mais bon, ça, de toute façon, ils vont rester là. Donc c'est pas bien grave. Pour
pour la déco, j'ai ajouté cette petite table qui vient de chez Jiffy, qui à la base n'est pas du tout une table pour l'extérieur, mais moi je la mets à l'extérieur et quand il pleuvra, du coup je l'enlèverai. Elle est vraiment super simple à monter parce que vous avez juste à visser les pieds et elle est super mignonne. Pour la déco, j'ai rajouté des coussins évidemment pour que ça fasse beaucoup plus cosy. J'ai hésité à mettre des coussins sur tout le long de mon bain de soleil, en fait des coussins spéciaux, mais en fait j'aime trop cette couleur bois. Et c'est pas du tout désagréable quand on est dessus, on pourrait croire que c'est super dur et qu'on n'est pas bien, mais finalement si, on est très très bien dessus. Donc les petits coussins rectangles viennent de chez Stokomani et le petit plaid également, c'est la même collection comme vous pouvez le voir. Le grand coussin carré vient de chez Action, donc la petite table vient de chez Jiffy. Et cette petite lanterne toute mignonne vient de chez Leclerc. Et ensuite j'ai voulu décorer le bord de ma piscine avec des petites plantes effet palmier pour que ça donne un petit effet tropical. Et donc je les ai mis dans ce bac jardinière qui vient de chez Leroy Merlin, il est vraiment super beau. Pensez bien à faire des trous au fond parce qu'après quand il pleut sinon pareil de l'eau stagnante, donc il faut bien percer au fond. Et j'ai posé du coup mes plantes qui viennent de chez Leclerc et il y avait un bon plan en plus, j'avais 50% en bon d'achat. Il y en a un qui est vraiment abîmé, qui était un peu tout sec. Mais à force de l'arroser et qu'il prenne le soleil, je pense que du coup il va reprendre un peu de santé. Et vous voyez, petit Maddy qui s'est incrusté et en faisant mon montage, j'ai vu qu'il faisait des grimaces sur la vidéo. Franchement, il fait trop rire ce petit. Et voilà ce que ça donne pour notre petite piscine et le coin à côté aménagé. J'ai aussi mis des pas japonais que je n'ai pas enterrés. On les enlève juste pour pouvoir passer la tondeuse. Ils viennent de chez Leroy Merlin et ils coûtaient 6€ pièce. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous l'avais promis sur Instagram, donc vraiment j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous l'aurez beaucoup apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Bisous !